Mauvais état, bien sûr, raison pour laquelle je voudrais que les contrôles techniques existent. Le contrôle technique existe, mais il n'est pas complètement, il existe à une certaine hauteur, il n'est pas complètement vulgarisé de la manière à ce que certains éléments le pensent. Dans les 800 000 véhicules que nous avons ici en RDC, si on devait appliquer réellement la logique de du contrôle technique, il se passe que nous aurons plus de la moitié qui pourront éventuellement sortir du charroi. Et ça sera éventuellement sanitaire pour les fils et filles du pays. Et il faudrait... Donc, pourquoi on arrive pas à le faire? Mais le problème, c'est lequel, parce qu'une fois de plus, on revient en disant, nous montons sur le créneau pour crier, pour dire que l'État, occupez-vous du problème de la route. Le fait d'être en cortège, ou bien d'avoir des policiers qui vous créent un chemin, ce n'est pas le fait de pouvoir changer le problème. Vous laissez le problème à côté et vous allez tout droit. Donc, il faut prendre conscience et en faire un cheval de bataille. Voilà, Christine et Kalima, elle part des taxis motorisés. Et nous avons qu'à Kalima, la plupart des routes sont délabrées. Et il y a des taxis motos qui circulent et qui causent beaucoup d'accidents. Et les policiers, au lieu de sécuriser les usagers, ils s'occupent beaucoup plus de rançonner les taxis motos. Oui, elle a raison. Parce que même dans notre ouverture, dans notre programme des propositions de solutions, nous disons ceci, qu'il faudrait arriver pour pouvoir alterner ou bien diminuer ce grand nombre de morts. Il faudrait, nous avons pensé à un schéma simple en disant, il faudrait que nous puissions penser à restituer nos policiers de roulage afin qu'ils puissent comprendre leur mission sur la chaussée comme étant agents d'ordre, non pas du contraire, et faire en sorte qu'ils puissent être de ceux qui doivent être instruits de toute la technique des problèmes de la route pour, pourquoi pas, être ceux qui conseillent sur la chaussée, non pas de ceux qui rançonnent. Donc vous voulez dire que la complaisance des agents de contrôle est à la base de ces accidents? Il y a certains accidents, je peux vous citer le 22 septembre de l'année passée, au niveau de, ici sur Kinshasa, au niveau de la compagnie SN, à cause d'un motard, d'un roulage que j'ai suivi à la télévision, à cause de lui, il y a eu la vie d'un enfant qui a eu pratiquement être endommagé parce qu'il avait toutes ses vieilles jambes qui étaient pratiquement broyées, parce que simplement ce dernier, il voulait faire en sorte que l'on puisse arrêter un taxi parce qu'il voulait recevoir quelque chose, et ça tourne en catastrophe. Vous comprenez? Il faudrait restituer les policiers de roulage, il faudrait commencer à faire appliquer la limitation de vitesse, à 60 km sur les grandes chaussées, nous parlons de travaux de Kinshasa, 40 km dans les quartiers résidentiels. Allez voir, des fois dans les quartiers résidentiels, nous avons des véhicules qui roulent à du 80 à l'heure. Voilà, deux autres auditeurs en ligne, Samine Bangou de Lubumbashi, ingénieur Mangoyo de Kinshasa, vous voulez également participer, composez le 081-890-6394. Lorsque le soleil se couche, toutes les infos se retrouvent sur la radio de la paix. Journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Synthèse de l'actualité africaine et internationale, économie, parents d'enfants, rencontre avec les Congolais de l'étranger, Inforoute et les infos sport toutes les demi-heures. Lorsque le soleil se couche, 17 à 19h, bienvenue dans Cap Histoire. Comment sécuriser les routes de la RDC? Samuel Yamungu Sakoué, président de l'association Feu Rouge, est l'invité de Cap Service ce matin. Samine Bangou nous appelle de Lubumbashi. Bonjour. Bonjour Radio Cap, bonjour à l'invité. On vous écoute, Samy. Depuis que l'émission a commencé, l'invité ne nous a pas encore parlé de son organisation Feu Rouge. Moi, je voudrais seulement savoir. Quel est l'apport de son organisation face à ces rapports désastreux en ce qui concerne les situations de morts accidentées? Et puis par après, en voyant nos routes congolaises, on se rend compte que la majeure cause d'accident, c'est toujours l'excès de vitesse et l'ivresse au volant. Et à un certain moment, nous avons vu par là nos polices, les circulations routières avec des skis de radar et puis le système d'alcool. Mais à un certain moment, ça a disparu. Qu'est-ce qui était à la base, qu'est-ce qui peut être à la base de tout ceci? Il faut toujours parler, mais vous prévenir qu'il y ait un accident. Merci Samy. Ingénieur Mangoyo de Kinshasa, bonjour. Bonjour, bonjour l'invité. Bonjour. On vous écoute. Je crois que c'est la énième fois que nous parlions des accidents et circulations. Moi, je regrette une chose. Mais nous, l'État, en tant que puissance publique, nous ne le sentons pas, aujourd'hui. Au moins, je vous parle. Vous savez que moi, je suis un Malouk. Je parle plutôt, mais parlons des motards, parce que ces modes de transport aussi causent beaucoup d'accidents. Je suis un Malouk ici. Juste devant moi, nous avons un corridor, un couloir, ce n'est pas dire un tunnel. Mais il faut voir comment les motards
Nage, repasse et arrive à lui. Vous parlez de taxi moto, qui se fait la Kinshasa. Nous avons associé le chef du quartier. Oui. Je dis, vous allez comprendre aucune solution. Alors qu'il y a des accidents, que les enfants ne peuvent plus sortir devant la porte. Les portails des maisons. Mais où se trouve l'État en tant que puissance publique? Alors, on ne sent pas une complaisance comme on n'en a jamais connu dans ce pays. Regardez, le problème des choses, des états des véhicules. Vous avez dit ça dans votre chaîne ici, je l'avais dit une fois. Est-ce qu'il y a une structure qui fait le contrôle de l'état technique des véhicules? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, je dis. Et les agents qualifiés qui sont censés réguler, contrôler. Mais il faut voir comment c'est comme. Et ça, au vu et au su de tout le monde. Mais où est-ce que nous allons avec ce pays? Comment on joue avec les vies humaines comme ça? Qui transporte les personnes, tous ces deux là. Mais je dis, c'est pas si nous arrive de monter dans ces véhicules-là. Ce sont pas des véhicules appropriés. Pourquoi l'État laisse ce secteur entre les mains, totalement entre les mains du privé? Merci, ingénieur Mangoyo. Alors, Samuel, vous allez répondre aux préoccupations des auditeurs. Samy de Mumbassi dit quel est l'apport de ce rouge. Il dit à un moment, et d'après lui, la plupart des accidents sont causés par l'excès de vitesse et l'alcool au volant. Et puis, il dit que le système d'alcotex a disparu. Il voudrait savoir pourquoi. Okay. Je dirais, au rouge, son rôle est celui qui est en train de le faire déjà maintenant. C'est-à-dire parler des problèmes de la route afin que l'on puisse faire pression au niveau du gouvernement qui prenne ses responsabilités de considérer que le danger, les méfaits de la route, ça relève aujourd'hui du degré de la santé publique parce que 30 000 personnes qui décèdent presque par an, c'est énorme, c'est trop. Et alors quel est l'apport de votre organisation Feu Rouge? Notre apport est celui-ci de pouvoir communiquer sur les dangers, éventuellement proposer des solutions et nous sommes prêts à pouvoir faire en sorte que nous puissions apporter notre expertise au niveau des structures qui a trait à la police de roulage et toutes les structures qui s'occuperaient éventuellement des transports pour faire en sorte que nos routes puissent être. Alors vous travaillez en collaboration avec quelle structure de l'État par exemple? Je suis beaucoup plus proche de la CNPR qui est la Commission nationale de prévention routière parce que nous partageons la même préoccupation et en tant que structure de l'État qui existe depuis 34 ans et moi en tant que simplement citoyen qui constate que l'État ne fait rien par rapport à cela, je me suis dit comme il n'y a pas de voix qui crie à cela, je me suis levé comme étant cette voix qui va créer le débat sur la table afin que demain que les choses puissent être mieux que hier. Et donc le demain se prépare déjà maintenant au travers des ans d'émission. Et si je peux éventuellement dire quelque chose par rapport aux taximoto, il est vrai que comme dans nos constats, que nous réalisons que les taximotos ne sont pas des engins appropriés par le centre urbain. Par exemple, pour le centre urbain. Et vous remarquerez, moi, il m'arrive souvent, avant même de parler de ce genre de choses, je monte sur ces taximotos pour constater ce qui se passe. Je rentre dans les 200 essais, par exemple, pour laquelle quand je vous parle de cela, je ne parle pas de cela comme étant quelqu'un qui vit dans son salon. Alors, Fanny a dit que l'excès de vitesse, c'est l'alcool au volant. Oui. Ce sont les raisons à la base de bien sûr, des accidents. Bien sûr, vous savez, il a complètement raison. L'excès de vitesse, l'alcoolémie au volant et autres, il se passe que ces genres de choses-là, si l'État devait prendre conscience, de prendre ce combat à bras le corps, je pense que dernièrement, pour l'année passée, on a eu affaire un élément qui est passé au journal où on disait qu'on avait ramené quelques alcotests au niveau de la PCR et tout ça. Il n'y avait que 6 alcotests pour Kinshasa pour une population de près de 10 000 habitants. C'est de la rigolade, cela. Et moi, je pense qu'il faudrait vraiment faire non pas simplement un effort, mais en faire un programme pour pouvoir faire en sorte que ces instruments d'alcoolémie ne coûtent même pas plus cher qu'un téléphone portable. Alors, un auditeur nous a écrit de l'Afrique du Sud, Pascal Kushamata, il a posté sa question sur la page Facebook du magazine Okapi Service. Il dit comment peut-on sécuriser les routes RDC alors qu'il n'y a pas des routes, d'après lui. Ok. Comment on pourra sécuriser? Nous avons des routes de desserte agricole et des routes d'utilité publique au niveau des grandes villes et autres, qui sont aujourd'hui légèrement améliorées par rapport à hier. Oui. Déjà, je pense que le fait de pouvoir instruire
instruire les structures qui a trait à la gestion des routes, c'est-à-dire les policiers de roulage et tous ceux qui sont sur les chaussées, ou encore qu'on puisse diffuser les lois utiles à ce que le public sache qu'est-ce qui doit rouler, qu'est-ce qui ne devrait pas rouler. Je pense que même s'il n'y a pas des routes asphaltées, même dans les sentiers battus, il y a lieu de pouvoir rouler de manière safe pour soi-même et pour l'autre. Alors, José nous a écrit depuis l'Italie. Il dit comment sécuriser nos routes alors que les agents censés réguler la circulation routière sont corruptibles. Donc, vous savez, la corruption, c'est vrai, c'est un problème, mais je pense qu'une fois de plus, ça relève encore du problème de l'État, de la manière à ce que si ils en font un cheval de bataille au niveau, à leur niveau, c'est le patron du pays, il se passerait que le policier de roulage devrait avoir il devrait être bien payé pour être à l'abri de la corruption. Bien sûr, il serait bien payé. Et bon, j'ai certaines propositions, regardez un peu, je vois en Afrique du Sud les capitaux que génèrent les problèmes de la route, les capitaux que génèrent les routes par rapport à leur PCR, façon de parler, ils génèrent de manière mensuelle en termes de millions de dollars de recettes, et ce qui fait qu'au-delà de leur solde, ils ont comme des primes. Pourquoi des amendes transactionnelles. Voilà. Ils ont des primes au-delà de leur solde classique. Et je pense que si nous arrivons à mettre un programme, je ne sais pas, je réfléchis au doigt, mais vous, par exemple, que si nous avons des gens de amendes transactionnelles que tout le monde devrait payer, je pense que nous serons à mesure de voir en sorte que les caisses au niveau de la structure qui attire à la route peuvent générer des millions de dollars, et que nous puissions commencer à faire en sorte que le plus bas payé comme policier de roulage puisse avoir une prime mensuelle de 100 dollars sur ses 40 000 francs, ou l'autre jusqu'à 500 dollars. Et vous allez peut-être voir, ça fera une preuve de pouvoir alterner sécuriser le côté cupide de ce policier de roulage. Jason Okota nous a écrit depuis la page Facebook, vous m'avez mis mon tapis service, il dit que pour sécuriser nos routes, il faut chasser les causeurs des troubles sur les routes, il faut placer les agents de sécurité sur nos routes et ils doivent être très bien payés pour éviter qu'ils causent à nouveau l'insécurité. Voici ma question, qu'est-ce que le gouvernement pour résoudre ce problème qui a pour victime le peuple congolais? C'était aussi la question de l'ingénieur Mangoyon. Ouais. Mais je pense que malheureusement, ils font rien. Ils font rien qui se sente visible ou bien qui se sente réellement de... Alors, terminer, vous avez dit la solution, il faut commencer par bien payer. Moi, j'ai les agents de l'ordre. Les payer, il faut des agents qualifiés. Recycler les policiers de roulage. Oui. Réguler la vitesse. Le contrôle technique. Contrôle technique, éventuellement. Réguler la vitesse sur les grands chaussées à 60 km/h, parce que, vous savez, un choc à 30 km/h, ça fera en sorte qu'il n'y ait pas, il y aura moins de dégâts. Mm-hmm. 40 km/h dans les quartiers résidentiels, 30 km/h dans les abords des écoles, c'est-à-dire sur les abords des écoles, et il faudra placer les dodanes. Parce qu'un des grands nombres de personnes qui descendent sur la chaussée, ce sont les enfants. Vous savez, en français, pour chaque chose, il y a un nom. Un homme ou un mari ou une femme qui a perdu son mari, on l'appelle veuve ou veuve, et un fils qui perd ses parents, on l'appelle orphelin. Mais les parents qui perdent leurs enfants, ça n'a pas de nom. Et il faudrait faire en sorte que les enfants soient sécurisés, parce qu'ils ont aussi droit de pouvoir, demain, espérer jouir d'une meilleure vie. Est-ce qu'il faut faire d'autres rapidement pour terminer? Il faudrait commencer à sensibiliser les problèmes de la route, comme on fait par rapport au sida. Le sida, il y a des panneaux, il y a des flyers, il y a la communication radio, ça fait en sorte que les gens puissent, pourquoi pas, comme on parle à l'Occident, vous avez des fois des images morbides quand vous voyez sur les panneaux, ça fait en sorte que vous puissiez réaliser que votre véhicule peut arriver à détruire un humain à cette hauteur-là, et vous serez beaucoup plus conscient. Bien, Samuel Yamungu Sapo, président de l'association Feu Rouge, et je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.